Ah, salut les amis, oh là, je faisais une sieste là. Je dormais à côté de ce grand-père là et de cette grand-mère qui je crois dorment. Enfin, tous les deux, je pense. Enfin bref. C'est un nouvel épisode, toujours en voie différée, l'épisode numéro 15. J'espère que vous allez bien. On est arrivé à Vermilava la dernière fois. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on ira battre la reine, être enseveli dans ce sable chaud, si chaud et divin. Eh, ah oui, un Pokémon a passé le dos. Sûrement un écrapince dans le sable. J'ai un œuf ici. J'espérais le faire éclore dans le sable chaud près des sources chaudes. Mais ça n'a pas l'air de suffire. J'ai entendu dire qu'il valait mieux qu'il reste avec d'autres Pokémon dans une équipe. Tu es dresseur, n'est-ce pas? Et tes Pokémon dégagent de la vitalité. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tu veux bien ajouter cet œuf à ton équipe pour le faire éclore? Oh, tu as trop de Pokémon. Ouais, c'est vrai, ouais. On va vite déposer un Pokémon. Dans le centre Pokémon. Non, dans le PC, pardon. Et au moins, je peux récupérer cet œuf. Hop là. On va déposer... Non, je pense qu'on va déposer l'ombre. Ah non, c'est Ningal que je dépose, tiens donc. Ben voilà. Il y en a un dans les commentaires là qui m'a dit « Ouais, il faut que tu déposes ce Pokémon. » Ben voilà, je l'ai déposé. Il est mis dans la boîte numéro 1. Ok, non, c'était pas elle. Alors, j'ai un œuf ici. J'espérais le faire éclore, blablabla. Allez, donne-le-moi, s'il te plaît. Allez, allez, allez. Voilà, merci. Donc, cet œuf, hein. Bon, a priori, on sait pas ce que c'est. Voilà, elle a eu la pension, bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le garder bah, tout au long de l'aventure jusqu'à qu'il éclose. Et ensuite, eh ben, selon le Pokémon, soit je l'entraînerai, soit je le déposerai dans mon PC. Mais ce qu'on va faire maintenant, on va aller dans ces deux petites maisons. Là, déjà, il y en a un. Ma femme tente de faire éclore un œuf dans les sources chaudes, elle vient de me le dire. Elle a laissé deux Pokémon à la pension, voilà. Donc c'est son mari, en gros. Hein. Là, on va aller à côté, c'est une herboristerie, si je me trompe pas. Voilà. Plus c'est amer, plus c'est sain. Les Pokémon n'aiment pas ça. Hein. Alors, on va aller acheter... ouais. Alors, en fait, poudre soin correspond à total soin. Racine énergie correspond à une hyper potion. Poudre énergie, je crois que c'est super potion. Et herbe rappel, c'est un rappel max, quoi. C'est vraiment pas négligeable. Bon, c'est cher, mais les rappels max ne se trouvent pas dans, ne peuvent pas s'acheter dans le magasin. Donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Ok, c'est tout. Alors, tu viens chercher des médicaments. Ok, okay. Ah voilà, charbon, voilà, ça augmente les attaques de type feu. C'est pas mal. Vous voyez, on est à Vermilava, près du volcan, enfin bref. C'est pour ça qu'il y a des trucs de feu. Eh, hey, comment ça va, futur maître Lian? Adrian, champion d'arène de Vermilava, utilise des Pokémon feu. Sa passion des Pokémon est plus ardente qu'un volcan. Ne t'approche pas trop, tu pourrais te brûler. Arrose-la avec de l'eau et attaque-la sans pitié. Ok. Pokémon de type feu, bon, on a compris. Je mets armure, pourquoi? Pour l'entraîner, tout simplement. Hein. C'est pas pour me faire cramer les ailes, mais c'est pour l'entraîner. Donc voilà, on a, en fait, on a des choix, on a des trous, quoi. On tombe dans des trous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire tous les combats. Et au moins, voilà, ça entraînera nos Pokémon. Alors, hop, combat. Allez, battons-nous, je suis chaud. J'aime les montagnes, donc j'aime aussi les volcans. D'accord. Je disais la dernière fois, là, comment ils ont fait pour recruter les dresseurs dans les arènes? Ils font quoi? Oh, excusez-moi, allez, on recrute des dresseurs. Alors, ils prennent un montagnard, un mec qui fait des grillades et tout, et puis ils les mettent dans les arènes. Alors voilà, ça va être simple, on va vous mettre dans des trous. Et dès qu'il y a un dresseur qui passe, vous sautez là comme un idiot. Et vous chopez, vous faites un combat contre lui, ok, c'est compris? Ok, voilà, et on vous paye au SMIC, hein. Puis voilà, à mon avis, ça doit être ça qui se passe dans Pokémon pour les arènes. J'espère qu'ils sont bien payés, hein. Enfin, en tout cas, nous, on est bien payés à la fin de chaque combat. Et aussi à la fin de... quand on bat la championne. Enfin, le champion, mais la championne ici en l'occurrence. Et voilà, alors. Pic pic et tire debout et vous êtes KO. Enfin, tu es KO. Ok.
Malgré la chaleur, j'ai encore trop froid aux yeux. J'ai perdu complètement le contrôle de la situation. Regardez comme il est habillé. C'est un montagnard et ils sont dans un truc où il doit faire 50 degrés. Et le mec, il est habillé, blouson, pantalon, chapeau, sac. Mon dieu. C'est chaud. Ouais. Oui, 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 bon sang, c'est brûlant. Ah, un combat double, chouette. J'ai même pas vu que j'étais allé dans un trou. Alors, Kecleon, voilà, Kecleon est un Pokémon un peu différent des autres. Je ne sais, bon, je pense que la plupart le connaissent, mais je vais quand même faire la précision. Kecleon, en fait, prend le type de l'attaque qu'il reçoit. Par exemple, je fais aile d'acier sur Kecleon. Maintenant, il va prendre le type d'acier, quoi. Voilà, ça va être marqué dans le nom. Voilà, déguisement, hop, le transforme en type acier. Et ce qui va être bien, c'est qu'après, je vais lui faire une attaque sol. Et ça va être super efficace. J'ai un peu joué le coup. C'est pour ça qu'on peut profiter. En fait, c'est un avantage. Ça peut être un avantage comme un inconvénient, bien sûr. Mais là, c'est un avantage à nous. Puisque c'est nous qui choisissons le type que va prendre Kecleon. Voilà, des tirs debout. Voilà, ça c'était inutile, c'était pour pas l'attaquer quoi. C'est juste pour vous, vous montrer. Voilà, c'est super efficace et il est KO. Donc ça peut être un gros avantage. Mais pour l'instant, on ne rencontrera pas beaucoup de Kecleon. Enfin, par la suite, oui, mais pas pour l'instant. Ah ah. J'essaie de libérer mon stress. J'espère que tu ne viens pas pour m'énerver. Non, certainement pas. Alors, on va lui faire quoi? Pec pec. Pec pec. Ouais, c'est pas mal. Ah, Flamèche, c'est pas bon ça. Ouais. Ça va, il m'a enlevé quoi? 24 PV. Ça m'affecte pas. Et bim, crash boom. Et voilà, KO. Ok, nickel. J'espère qu'Adrien va te rôtir. Jamais de la vie. Alors, où est-ce qu'on va? Généralement, en fait, on va où on a fait pas mal de combats. Donc voilà, donc je pense que c'est le bon trou. Ok, ça a l'air d'être le bon. Là, il va y avoir un combat sur les deux. Donc forcément, le bon trou sera celui de gauche. En fait, il faut juger comme ça. C'est-à-dire que dès que vous voyez que vous allez vers des dresseurs et tout, c'est que c'est le bon chemin, quoi. C'est qu'ils nous font pas... Enfin, généralement, c'est ça dans Pokémon. Vous l'avez vu aussi dans mon épisode de Pokémon version noire. Je m'en souviens quand j'étais dans la grotte Electrolyte, par exemple. Et ben, je sais qu'à un moment, il y avait deux dresseurs à faire. Si j'allais à droite, alors que si j'allais à gauche, il n'y avait qu'un. Bah, la sortie était par la droite. C'est souvent ça dans Pokémon. C'est... voilà quoi. Après, quand on connaît, on connaît. Hein. Mais bon, c'est quand même un labyrinthe, cette arène. Alors, il y a peut-être un combat, ok. D'accord, je vais me battre contre toi. Allez go, aile d'acier, c'est parti. Pas mal. J'oublie à chaque fois qu'il est combat en fait ce Pokémon. Je le vois si, mais combat je le vois pas en fait. Donc je sais que j'avais pic-pic, mais bon voilà quoi, j'ai pas pensé sur le coup. Bon là par contre, le bon trou c'est soit celui de gauche, soit celui d'en bas. Et là il n'y a pas vraiment de... Normalement ça peut être celui d'en haut, mais bon. Je sais pas. Ouais, je pense que c'est celui d'en haut. Et ouais, vous voyez, parce qu'en fait, si j'étais allé dans le trou, le bon trou, quoi, la fille, elle m'aurait vu de loin. Donc, c'était celui qui était là-bas. En fait, faut raisonner comme ça dans les arènes ou dans les grottes, quoi. Voilà, je vais passer vers un combat. Ah non, pas de combat, et là, pas de combat non plus. Moi j'aurais dit il faut aller le plus loin possible.
je crois que c'est pas le bon. Ouais, non, c'est pas le bon chemin. Ah ah! Par la même occasion, au moins on fait un autre combat. Pas plus mal. Saltimbanque Antonio! Oh Antonio! Bah, surtout pas elle d'acier, hein. Pique. Oh mon dieu! Eh, déjà niveau 25 mon armure, hein. Eh oh, ça rigole plus. J'ai capturé au niveau 16, je l'ai vite fait monter, hein. Ah, c'est son dernier, c'est bon. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai mis une nouvelle intro pour Pokémon Emerald. Vous me dites un peu ce que vous en pensez là dans les commentaires. Bon, c'est vite fait, j'ai pas de. C'est fait par moi, donc c'est. C'était rapide, mais bon, la musique très très sympathique. D'ailleurs, je vais vous mettre un lien dans la description pour que vous allez voir la chaîne de celui qui fait ça. C'est un anglophone, pardon. Qui fait ses musiques orchestrées en fait. Il prend en fait des musiques de Pokémon, comme il pourrait prendre par exemple la musique du centre Pokémon que vous êtes en train d'écouter. Et en fait il la remixe mais de manière symphonique, comme s'il y avait un orchestre. Et c'est vraiment magnifique. Donc faites un tour, je vais mettre le lien dans la description de sa chaîne. Et aussi au moins de son site aussi. Au moins vous pourrez télécharger les musiques qu'il fait, c'est gratuit bien sûr, hein. Il met tout ça à notre disposition. C'est pour ça que j'en ai profité, il a vraiment de belles musiques. Il en a fait qu'une pour l'instant pour ON, c'est le générique de fin, mais c'est vraiment magnifique ce qu'il fait. Le générique de fin, j'adore cette musique. Et je sais qu'il aime aussi ON, il l'a dit dans certains commentaires. Donc franchement, faites-y un tour, vous ne le regretterez pas. Non, c'est pas là, c'est pas là. C'est ici. Alors voilà, là, le dilemme, soit droite, soit gauche. Moi, perso, je suis pas de droite, donc... Voilà, je pense à gauche, mais... C'est pas le bon chemin. Je suis revenu au début. Bon, ben voilà, il fallait aller à droite. Il faut être de droite dans ce pays. D'ailleurs, le fou... Ah ouais, non, non, c'était pas ça. Et voilà. Et là, normalement, on arrive à la fin. Et voilà, on va se... Non, d'abord, on va regarder un peu de Pokémon. Voilà, j'avais soigné vite fait. Histoire de... D'être prêt devant Adriane. Je sais pas si je sauvegarde ou pas, je sais plus. Non lo sé. Allez, on va sauvegarder. On est presque à 8 heures de jeu. C'est pas mal. 8 heures de jeu, 15 épisodes. Ça va. Bienvenue. Non, attends. Misérable dresseur, je suis contente de voir que tu as réussi à arriver ici. Par les pouvoirs qui me sont conférés... non, attends. Je m'appelle Adriane et je suis le champion de cette arène. Je ne suis pas champion depuis très longtemps, mais ne me sous-estime pas. Grâce aux techniques de mon grand-père, je vais te prouver que mes attaques sont puissantes. Ok Adriane, battons-nous. On dirait pas la même. Hein. Ok Chamallow. Alors, j'ai gardé armure, je m'en fiche. Je suis un battant, moi. Je suis pas un perdant, donc. J'affronte. C'était la chose à ne pas faire. Mais c'est pas grave. Ça augmente ma défense. Eh hey, attention, hein. Ça aussi, en tant que championne d'arène, ça, c'est un peu alarmant, je trouve. Parce que faire une attaque sol, enfin, normalement, tous les dresseurs, tous les champions d'arène... savent un peu, comment dire, connaissent les types, les trucs comme ça. Ça veut dire qu'elle n'a pas révisé et qu'elle fait n'importe quoi. Parce que faire, je sais pas moi, faire une attaque sol sur un Pokémon vol, c'est la base quoi. Je sais pas moi, il y a un séisme, les oiseaux volent, les oiseaux ils sont pas touchés.
Voilà, c'est complètement logique. Mais je l'ai tué, je l'ai mis KO. Donc maintenant, on passe à l'Imagma, je le garde. Et on va faire pareil. Ouais, bon là par contre, je vais pas survivre. Surchauffe, c'est vraiment trop puissant. Et je suis KO. Allez Kyria, tu peux faire quelque chose. Tu peux le faire. Faire ton psycho là. Mets le KO. Allez vas-y Kyria, mets le KO. Ouais. Déjà deux Pokémon battus, c'est plutôt rapide. Ensuite, Camerupt. Alors là, Camerupt, ça va plus être la même chose. Enfin, il est assez puissant. Quand même, le stade évolué de Chamallow. Eh, pas mal, coup critique. Ouais, non, peut-être qu'il peut. Peut-être qu'il est pas KO. Ah, si. Je pensais qu'il avait un minimum de défense spéciale, mais visiblement, non. Mais en même temps, surchauffe, ça enlève. Ça a une puissance de 140. C'est vraiment pas mal. Allez, maintenant, on va plus rigoler. Donc, je pense qu'elle va utiliser une potion. Ouais, c'est normal. Mais même en utilisant une potion, avec mon hyper potion, bim! Tu vas cracher. Eh, pas mal quand même, il résiste. C'est pas grave, je pense que j'attaque deux fois d'affilée. Avec un petit pistolet à eau. x4, hein. x2 sur le feu, x2 sur le sol. Voilà, niveau 29, ça gère. Et Charter, voilà, c'est son Pokémon, Pokémon favori, entre guillemets. Puisque dans Ruby Saphir, elle avait, je crois qu'elle en avait juste 3. Il me semble qu'elle avait Chamallow, Limagma et lui. Elle n'avait pas Camerupt. Vous avez vu que je ne l'ai vraiment pas enlevé beaucoup. Hein. Donc, je vais faire pistolet à eau. Et coup critique. Et il est KO. Bye bye Charthor. Oh non, je suppose que j'ai été... ouais, ok. Faudrait que je dise à Arnaud du passé de de lire les dialogues. Ok, jusqu'au niveau 50 t'obéiront sans discuter, même ceux que tu as échangés. Ok, je peux utiliser force dans la nature. Et en plus, elle me donne la capacité technique surchauffe. Et en même temps, je l'enregistre dans mon téléphone. Puisqu'on est devenu amis. Eh ben, quelle bataille flamboyante. Et bien voilà. Aha. Florora. Liane, ça faisait un bail. Oh, tu as eu le badge de Vermilava pendant que j'étais aux sources. Tu as dû attraper pas mal de Pokémon. Enfin, j'aurais plutôt dire dresser. Pas mal de Pokémon. Je pense que ce serait bien pour toi d'avoir ça. Chouette, les lunettes sable. On va pouvoir aller dans le désert. Avec ces lunettes sable, tu pourras sans problème traverser le désert près de la route 111. Mais waouh, Liane, te battre dans les arènes. Tu t'entraînes dur car je parie que tu ne veux pas perdre contre moi. Liane, je crois que je devrais défier ton père à l'arène de Clémentiville, pardon. À une prochaine fois. Perdre contre toi? Non mais c'est toi qui perds contre moi, ma vieille. N'importe quoi celle-là. Ah là là. Bon voilà, bah on va sauvegarder, on va s'arrêter ici, vidéo plutôt courte, mais bon en même temps j'ai battu l'arène quoi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Voilà, donc le prochain épisode ne sera pas en voie différée, hein, ça n'ayez aucune inquiétude à faire, et ce sera un épisode spécial, alors vous verrez pourquoi, ne me demandez pas dans les commentaires, vous verrez bien, ça va être un truc très sympathique. Voilà, quoi, bon, bah, profitez, hein, profitez au maximum, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Pour de nouvelles aventures avec Galius. Ciao tout le monde.